Salut à tous, c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3, et comme chaque semaine, mais celle-ci avec du retard à cause de petits bugs du côté de Blizzard, nous voici enfin sur la faille probatoire du sorcier. Donc je ne l'ai pas encore réalisé, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc on va regarder ça ensemble. Alors, qu'avons-nous là? Le set de Delzer, donc avec le ralentissement du temps, on a quoi? L'explosion d'arbacanique se déclenche une fois supplémentaire. Les ennemis tués par les dégâts de froid ont 17% de chance de provoquer une nouvelle givre. L'augmentation de l'intensité des boucliers. La vitesse de OK. Gésier du gnome ardent pour augmenter les HP et l'armure. L'Odarlise OK. Et l'œil de OK, d'accord. Triumvirate ici. Couronne de Primus, OK. Et unicité, d'accord. Et ben on va regarder ça. Donc on est sur un temps à battre de 6 minutes 30 sur une faille de niveau 50, ce qui commence à être plutôt correct, on va dire. C'est vraiment un niveau qui commence à être intéressant. Donc nous avons double téléportation. Donc bien sûr les dégâts sous ralentissement du temps sont augmentés. Et ici voilà la galère. Et ici voilà. Donc le ralentissement va être important à poser. Et en termes de ouais, on a pas mal de réduction de cooldown. Voilà, puis là ok. Donc, je suppose qu'on va y aller à la téléportation, on va passer à des ralentissements du temps, on va réduire le cooldown avec l'âme spectrale et infliger des dégâts avec orbe arcanique, bien sûr, tout en ayant enchantement de l'arme et l'armure de glace activée. Voyons voir la tête de la faille, c'est parti. Ouais, alors c'est chaud là quand même. Je prends un Bagdad comme ça, c'est chaud quoi. Alors si je pars du mauvais coin, déjà ça va pas le faire. Bon, on va peut-être plutôt tracer. Ça a l'air d'être relou à jouer ça, tiens. Encore un truc où il faut focus les élites. Ah voilà que je te pousse. Ok. Petit ralentissement du jeu, merci, c'est gentil. On fait ça, on fait ça. On en repose un deuxième, on sait jamais. Ok, on de l'avance. On part par là, j'aurais pas dû. Si, c'est par là la sortie. Non, c'est pas par là. Mince, et puis oh, le téléport il a un cooldown tout pourri. Mince, oh, à chaque fois je me trompe de touche. La sortie est par là-bas. On a un petit peu d'avance, mais voilà, des petites erreurs de placement qui font que
Salut. Juste avant le... la fin du cooldown. Je vais partir par là. Ok. Donc ici on prend ça. On y va, on avance. J'essaie de passer en fait le plus souvent possible le dôme de ralentissement du temps. Ah, par contre le cooldown de téléportation est horrible. Ah bah il y avait un élite qui était juste là. Crève. Donc c'est pas par là non plus. Oh non, putain. Alors, on continue à avancer, on continue à avancer. Pousse-toi. Faut vraiment s'attaquer en fait, soit qu'aux élites, soit... je sais pas, il y a vraiment un truc... j'ai... Pour l'instant, je découvre un peu le... La... Merde, je reviens en arrière. Ah, faut aller là-bas. Oh, la perte de temps monstrueuse. Poussez. Poussez-vous, laissez-moi passer. Ok. Bon, cette faille est perdue, clairement. Elle est perdue. Là, je prends trop de retard. On essaiera de faire mieux après. Faire un peu plus attention au sort. C'est souvent comme ça. Dans les failles probatoires, on découvre un peu la faille. Des petits spells par-ci par-là. À chaque fois je me trompe entre le TP et le ralentissement du temps. Pas si facile que ça mine de rien celle-là hein. Instant sur le niveau précédent. Bon, on est à la bourre. Voilà. Par contre, je pense que le boss de fin. Ok, d'accord. Ok, voilà. Faille probatoire terminée. Donc 5,50 au lieu de 5,30. Donc. Nous avons 20 secondes de trop. Bon, on a vu comment on peut, ça se passait, des petites erreurs de placement, maîtrise du personnage. On va essayer de faire attention. Finalement, en fait, l'âme spectrale n'ont pas forcément les ennemis qui ont une chance d'être gelés, une chance de coup critique, subissent des coups critiques lorsqu'ils sont touchés par l'âme spectrale, sont augmentés. Ouais, je suis pas... serein par rapport à ce sort là, mais ouais, dans l'ensemble en fait ça va être ralentissement du temps, orbe arcanique et TP out pour essayer d'aller un petit peu plus vite. On va recommencer en espérant l'avoir celle là donc on commence par ça, on place ici ça là, hop, on replace un autre. Ok, ah, il y en a une qui reste là bas saleté.
train de taper quoi? Mais laisse-le tranquille, toi, là, on s'en fout. Ah oui, forcément, si je claque pas ça aussi, ça va pas le faire. J'avais oublié ça. Ça va enclencher. On explose ici, c'est génial, laisse-moi tranquille. Voilà, on accélère un coup. Enfin, en plus il me pique mes mots quoi. Laisse-moi tranquille, laisse-les tranquille. Hop, on fait ça, le deuxième élite ici présent. On se le fait tranquille. Voilà. Hop. Attends. Il y a quoi par là? Un autre élite ici. Hop. On profite. On fait ça. Il y a plein de monstres là. Hop, on change. Du coup, ici, on a vu que passer par là-bas, c'était pas mal pour aller à la faille d'après, enfin au niveau d'après. On a tout un petit coup par là. On a un truc de foudre au milieu, si mes souvenirs sont bons. Allez, oh, ça manque de DPS ce truc, c'est horrible. Voilà, un petit TP, ici on fait ça comme ça. On va aller chercher ce petit shrine ici présent. C'est moi tranquille. Voilà. On nettoie un petit peu par ici et on va s'en aller à nouveau par là-bas. Il n'y avait pas vraiment de population en bas. Donc ici on nettoie un petit peu tout ça. Bouclier va-t'en. Et donc on change, et donc là on avait déjà un peu plus de monstres. Et donc là on est plutôt bien en fait, là dans le temps on est plutôt bien. Du coup on en profite, on avance. J'ai l'air d'avoir plus de monstres dans ce niveau là, à cet étage là, niveau 3. Donc c'est plutôt une bonne chose pour faire avancer le. Un deuxième sur ton dos. Bon, tu meurs quand tu veux, toi. Hop, mince, raté. On va se mettre là. Mais arrête de m'envoyer partout, toi. Allez, meurs! Voilà.
Oh, ce manque de DPS horrible quoi. T'es sérieux quand tu... Eh bah dis donc. 6 minutes 10. Eh bah c'est pas si facile que ça honnêtement. Hein. T'es en train de me faire taper dessus ou comment ça se passe? Il est par là, je sais pas par où il est. Il est où? Ah d'accord, il est là-bas. Ah, c'est que je me rapproche. Allez, crève, voilà. Il est mort. Donc, ouais, 6 minutes 10, c'est pas si facile que ça, honnêtement. Enfin, ce gameplay-là me... Je sais pas, j'ai pas eu de feeling avec, donc au final, j'ai un petit peu galéré. En gros, on arrive, on claque enchantement de l'arme, armure de glace, comme ce que je n'ai pas fait sur le deuxième run. Donc il faut le faire, bien sûr, ça vous augmente votre DPS. Ensuite, bah, claquer un ralentissement du temps, essayer de réduire le cooldown avec orbe arcanique et lame spectrale. Du coup, lame spectrale qui permet de remonter la puissance arcanique quand on en a besoin. Sinon, c'est full orbe arcanique, hein, histoire de nettoyer tout ça. Voilà pour cette petite faille probatoire que je n'apprécie pas forcément au niveau du gameplay. Je dis pas que c'est nul, hein. Je dis juste que le gameplay de ce build-là n'est pas transcendant en tout cas. Je trouve pas intéressant quoi. Voilà. Bah dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez mis pour justement réaliser cette faille probatoire. Donc moi je suis à 6 minutes 6 minutes 20 je crois, un truc comme ça. Pour 6 minutes 50 à effectuer. Non. 6 minutes pour 6 minutes 20, je crois. Oh, je sais plus, je sais, j'ai même plus. Je... Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, bah, elle me dit, je donne pas mon temps. Miroir de l'âme, c'est. Ouais, donc c'est l'équipement. Donc voilà, bah, dites-moi combien de temps vous avez mis dans les commentaires. Est-ce que bah, ça vous a plu ou pas? Qu'est-ce que vous pensez donc de ce niveau de faille probatoire? Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre donc l'avancement de mon personnage d'écromancien. Et ce week-end, un petit tour sur le serveur de test, donc le PTR en 2.6.1, histoire de voir un petit peu les builds qui fonctionnent, etc. Tout ça. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Voilà, moi sur ce, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas, pardon, à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!